Monsieur Ali Alaoui Sossi, vous êtes DAF du groupe Le Matin, organisateur du deuxième hackathon Morocco Social Tech. Quel est vos sentiments par rapport à cette deuxième édition, d'après ce que vous venez de voir, les 11 projets sélectionnés et les participants ici présents? Quel est votre sentiment? Écoutez, j'ai un sentiment de fierté. Aujourd'hui, le groupe Le Matin, encore une fois, il montre son engagement et sa volonté de contribuer au développement du pays de par sa position en tant que média. Donc aujourd'hui, le fait de faire partie de cette expérience est quelque chose vraiment de remarquable et je pense que ça va rester vraiment marqué dans ma mémoire. Quelle évaluation faites-vous des projets présentés? Vous avez eu l'occasion de consulter un petit peu les projets, le contenu. Quelle est votre évaluation là-dessus? Globalement, la première remarque, c'est qu'on a une grande diversité de projets. Donc je pense que cette diversité est une première chose importante à signaler. Maintenant, on attend la phase d'accélération des projets et de stress qui va avoir lieu pendant ces 12 jours-là pour arriver à la phase finale d'évaluation. Mais globalement, je peux dire que je suis confiant par rapport aux projets qui ont candidaté et je suis persuadé qu'on va avoir des projets très très intéressants.